Salut à tous et bienvenue sur Magic Arena FR, comment ça va fou? Ça va très bien et toi? Écoute, ça va très très bien, on se retrouve aujourd'hui pour un petit complément d'annonce. Pour tous ceux qui ont vu la vidéo de lundi à 17h où on parle de notre bilan et de ce qui arrive sur la chaîne, il y a une information que vous n'avez pas eue et que vous avez appris en venant nous voir le soir sur la Spark TV à 20h. Ou lors de la rediffusion bien sûr de mardi soir, donc sur l'Eurosmoi si tu peux. La Spark TV ferme ses portes vendredi à 19h, donc dans 2 jours. Pourquoi vous n'avez pas eu cette information lundi lors de l'annonce de 17h? C'est parce que nous avons décidé de la fermeture de la Spark TV ce week-end et que la vidéo de lundi a été tournée jeudi dernier. Donc nous ne pouvions pas vous annoncer quelque chose que nous ignorions. Nous sommes vraiment désolés du timing. On a un petit peu manqué notre propre communication. Voilà, ça peut arriver. On n'est pas des professionnels. Ça a été décidé au dernier moment et il était hors de question de continuer à streamer en sachant que la Spark TV allait fermer. On voulait vous le dire le plus vite possible pour que vous arrêtiez de sub, forcément. Donc voilà, la Spark TV ferme. On a déjà expliqué longuement les raisons de cet arrêt sur le stream que vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube de ValetPL, évidemment, notre propre chaîne YouTube. Pour refaire très très court, pour ceux qui ne regardent pas les rediffs de stream, une web TV, c'est beaucoup de gestion, c'est beaucoup de boulot, beaucoup de travail. Il n'y a aucune web TV en France et peut-être même dans le monde qui arrive à exister de manière tout à fait collaborative. C'est-à-dire qu'une web TV, ça demande des fonds, des investisseurs, ça demande généralement un patron, ça demande un manager, ça demande un directeur artistique, ça demande toute une structure professionnelle, professionnalisante. Ce que la Spark TV n'avait pas en fait. La Spark TV, c'est un petit peu une utopie depuis 5 mois. On est très heureux de ça, mais c'était une structure qui ne disposait ni de fonds, ni de patrons. C'était juste des streamers qui collaboraient ensemble pour avoir une grille pleine. Ça a duré le temps que ça a duré. On en est très 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 heureux et très très fiers. Mais voilà, la marche était un petit peu trop haute. On se doit maintenant de fermer la Spark TV. On préfère la fermer maintenant plutôt que de la voir décliner parce que bah voilà, on ne peut pas, on n'arrive pas à assumer. C'est vraiment, vous le voyez de toute façon, le nombre de web TV, même professionnels qui ferment, c'est un modèle qui est extrêmement dur. Donc on a tout donné, on a réussi à rassembler la communauté. C'est un échec, mais c'est pas une erreur. On est vraiment très heureux, on a beaucoup appris, c'est beaucoup d'expérience. Et rassembler la communauté qui était le but de la Spark TV, la communauté FR autour du Magic Game, et ben ça on l'a réussi. Et je pense que c'est le principal, c'est ce qu'il faut retenir. Exactement. Qu'est-ce qui va se passer maintenant que la Spark TV est fermée pour tous les acteurs de la Spark TV? Et bien sachez-le, tout le monde va repartir streamer de son côté de manière indépendante. Personne n'arrête de streamer. C'est très important que vous sachiez cela. Parce que beaucoup de gens nous ont demandé, du coup, vous arrêtez les vidéos YouTube, vous arrêtez le stream, etc. Ça n'a rien à voir. Rien à voir. Ce qui s'arrête, en fait, c'est uniquement la Spark TV. La Spark TV, ce n'était pas des programmes de stream, etc. C'était surtout l'alliance, en fait, de plusieurs streamers. Et c'est cette alliance-là, en fait, qui s'arrête sur une même chaîne, en tout cas, parce que rien n'est interdit. Vous retrouverez sûrement les streamers que vous aimez sur les chaînes de l'un de l'autre. L'alliance sur le fond perdure toujours, en fait. Voilà, on est toujours potes, il n'y a aucun problème, on fera toujours des trucs ensemble quand l'occasion se présente. Bien sûr. Pour retrouver du coup tout ce beau monde sur Twitch, ce sera donc sur les chaînes respectives de chaque streamer que vous retrouverez dans la description. Pour nous, ceux qui nous suivaient déjà à l'époque, si vous nous avez follow, c'est toujours la même chaîne, on va juste retourner dessus. Donc ValPL Magic Arena FR, lien dans la description, lien dans le générique de fin, là partout. Où il y a le petit chat, lien partout. On va communiquer de toute façon pour que tout le monde nous retrouve bien. Vous n'allez pas être perdu, ne vous inquiétez pas. Également pour les programmes, là donc je sais pas si tu l'as dit, la date d'arrêt de la Spark TV. La Spark TV ferme ses portes le vendredi à 19h. C'est ça. Et tous les streamers repartiront sur leur chaîne à partir de ce week-end s'ils le veulent. Vendredi 13, voilà. Du coup. Le vendredi 13, exactement, comme porté malheur. Symbolique, je ne sais pas. On n'a pas fait exprès. Mais voilà, nous, pour notre cas, le relancement de la chaîne ValetPL Mafre, Magic Arena FR, sur notre chaîne perso, ça sera lundi 20h pour un Rosmois si tu peux, exceptionnel, mais ils le sont tous dans tous les cas. Ils le sont tous. Donc voilà, le prochain Rosmois si tu peux, si vous avez aimé ce concept-là qui a plutôt pas mal marché. Merci beaucoup d'avoir été présent lundi dernier. Ben voilà, lundi prochain, nouveau Rosmois si tu peux sur ValetPL. 5 Planeswalker deck à gagner. Et ça, c'est pas mal. 5 Planeswalker Deck. Édition M20. Édition M20 pour ce Rosmois si tu peux. Chaque semaine, on essaiera de vous faire gagner de nouveaux cadeaux. Donc voilà, rendez-vous nombreux. On espère que là, vous allez pouvoir suivre tous les streamers que vous avez découverts via la Spark TV. Pas forcément nous. On vous invite à continuer à soutenir tous les gens que vous avez soutenus sur la Spark TV. C'était un réel plaisir. On a une annonce complémentaire à faire.
Donc chaque streamer reprend sa propre chaîne, comme on vous l'a dit. J'aimerais juste parler des horaires avant ça. Bien sûr, Pour juste vas-y, préciser, pour excuse-moi. ceux qui demandent à quelle heure, etc. Tu as Donc on raison. va refaire un planning. Bon, vous l'aurez peut-être pas au moment où vous voyez cette vidéo, mais on espère le faire le plus tôt possible. Mais pour le planning en fait de nos heures, si vous avez regardé la vidéo de lundi, donc bilan et annonce, on parle de nos horaires. Donc le lundi, on fait le rossmoi si tu peux de 20h à 22h environ. Le mardi soir, à partir de 19h, Val stream. Le jeudi, à partir de 18h, je stream jusqu'à environ 20h30. Et le vendredi, Val stream le matin de 10h à 13h En environ. fait, c'est ça, toute la vidéo de Et lundi, rien n'est voilà, invalidé en fait. les horaires qu'on a annoncés pour Aspark TV, ça reste nos horaires normaux. Parce que comme on l'a dit plusieurs fois, On les a fait. on les a fait en fonction de notre travail, de nos vidéos, etc. On l'a pas fait en fonction de l'Aspark, etc. Donc ça, ce sont des horaires de toute façon qui restent. Donc si vous les avez en tête parce que vous les avez entendus lundi ou bien que vous les avez entendus dans cette vidéo, ça reste les mêmes. Donc pas de souci, ça. Jusqu'à nouvel ordre, ce sera ça. On vous communiquera si jamais il change. Et de toute façon, il y aura un planning qui sera updaté avec les Bien nouvelles infos, sûr, etc. très rapidement, qu'on mettra dans le Discord et en page d'accueil de notre chaîne Valépl. Donc Mais voilà. en plus de ces 4 streams, il y en aura un supplémentaire. Il y en aura un supplémentaire. Alors Place il faut décisive. savoir que à l'époque de la création de la Spark TV, nous avons invité Magic Seychic à faire donc leur masterclass, leur moustache show et autres concepts divers et variés sur la Spark TV, sur le Toujours très créneau cool. du mercredi soir. Voilà, c'est des gens qu'on adore, c'est un petit peu nos poteaux, hein. On est un peu les deux duos qui s'entendent très bien. Il faut savoir que ce ne sont pas des streamers réguliers, ce sont vraiment des gens qui font un concept par semaine. Et donc du coup, d'un commun accord, on s'est décidé à les faire streamer sur Valépl le mercredi soir. Donc pour tous ceux qui étaient habitués au rendez-vous du mercredi soir de Magic Seychic, eh bien ça ne sera plus sur Aspark TV évidemment parce qu'elle est fermée. Et ça sera sur Valépl Magic Arena FR À partir de la semaine prochaine. à partir de la semaine prochaine. Donc voilà, vous pourrez retrouver Magic Seychic sur notre chaîne. Il faut savoir que c'est pas, on recrée pas une web TV, pas du tout. Magic Seychic est 100% libre de ne pas effectuer leur stream, 100% libre de streamer sur leur propre chaîne Twitch. Ils font ce qu'ils veulent, juste le mercredi soir à 20h, ils ont un créneau qui leur est exclusivement réservé. Ça On nous fait touche pas. extrêmement plaisir de pouvoir vous annoncer ça et de pouvoir continuer à collaborer avec eux. Même si on collaborera aussi avec toutes les autres personnes de la TV, de la Spark TV et tout, on part tous en très très bon terme. Mais voilà, on garde cette petite synergie entre Valépl et Magic Seychic et j'espère que vous en serez ravis. Ah, comme on était compatible niveau horaire, etc., que C'était très on facile n'avait et qu'un stream par semaine, en fait, c'est ça. Ça nous permet de garder notre c'était indépendance, quoi. proposition presque naturelle en fait qui s'est faite, Exactement. donc c'est très cool. Voilà, je pense qu'on a tout dit, on Oui. a fait le tour. Si vous avez encore des questions, etc., n'hésitez pas à les poser en commentaire, on essaiera d'y répondre dans la mesure du possible. Comme d'habitude, si vous voulez nous suivre sur YouTube, bah, abonnement, petit pouce bleu, partage, commentaire, etc. Vous connaissez la chanson. Pour nous suivre sur Twitch maintenant, bah, ce n'est plus la Spark TV, c'est Valépl Magic Arena FR, le lien dans la description, ainsi que toutes les chaînes de tous les streamers que vous avez pu connaître sur la Spark. Nos réseaux sociaux, Twitter, Facebook et les deux Discord. Ah oui, puisqu'on peut préciser ça, le Oui, c'est Discord de la très Spark important. TV reste actif. On ne va pas forcément y publier de choses, mais il reste actif pour tous ceux qui y sont déjà. Et si vous voulez rencontrer un petit peu une communauté C'est ça. L'étincelle brûle Magic, toujours, en fait. autre que la communauté Valépl, voilà, peut-être la communauté des autres streamers, si ça vous intéresse, bah, vous pouvez toujours y aller. Donc ça, on le laisse. Par contre, nous, on va, entre guillemets, revenir sur le Discord Valépl, où vous nous verrez peut-être plus actifs et où il y aura plus de posts Bien sûr. Ça nous de permet notre tous en part. fait de se recentrer en fait, de Ouais. se recentrer sur nous-mêmes au lieu d'investir beaucoup, beaucoup d'efforts, beaucoup de temps dans la Spark TV. On va pouvoir tous, chaque streamer, se recentrer sur nous-mêmes et vous proposer peut-être du meilleur contenu, du contenu de meilleure qualité. Voilà, c'est juste que ça ne sera pas centralisé sur une seule chaîne, ça sera centralisé, enfin ça sera décentralisé sur plusieurs chaînes. Exactement. Je précise aussi que sur notre chaîne Valépl, vous pouvez déjà aller la follow et aller sub dessus. La chaîne est toujours partenaire, La elle est chaîne est toujours partenaire, ouais. disponible. Voilà. Et vous avez gardé vos badges. Si vous aviez déjà des C'est badges très Thibault, important, on m'a Jace, demandé hier ils soir en sont encore stream. là. Donc ne Voilà. vous inquiétez pas, vous les gardez. Pour nous soutenir, c'est sur YouTube que ça se passe. Si vous souhaitez le faire, dans la description, encore une fois, vous pouvez regarder une pub de 30 secondes. Ça nous rapporte 4 ou 5 centimes. Et ça nous permet à terme peut-être de vivre de ça si vous le faites. Merci énormément. Et également le code Valépl 2019 dans la description, disponible sur Magic Bazar. De toute façon, ça, si vous avez vu la vidéo de lundi, vous savez déjà de quoi on parle. Et surtout, n'oubliez pas, C'était c'était de de la la belle belle magie. magie.